Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que Dieu nous bénisse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une prière du matin. Le Seigneur nous a réveillés, rendons-lui grâce de nous avoir gardés toute la nuit. Que cette journée nous soit propice, que cette journée soit lumière. Que cette journée soit pleine de grâce. Merci, merci. Amen, 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 amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, doux, compréhensif, voir au-delà des apparences des enfants, comme tu les vois toi-même et ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit. Que je sois si bienveillante et si joyeuse que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, les coulants de ce jour te révèlent. Amen. Lumière, 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 ô lumière, toi qui es la plus intelligente, entre en moi, viens éclairer mon cœur et mon cerveau. Lève-toi du bon matin pour aller au sommet de la montagne. Lève-toi du bon matin pour aller au sommet de la montagne, pour assister au lever du soleil, pour attendre le soleil, pour assister au lever du soleil, pour attendre le bon pasteur. Lève-toi du bon matin pour aller au sommet de la montagne, pour assister au lever du soleil, pour attendre le bon pasteur, pour attendre le bon pasteur, si tout humain pourrait le reconnaître. Nous allons lire dans Jean 12. Jean 12, versets 35 à 36, lisant au nom du Seigneur. Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Amen. Lumière toujours. Lumière. Marchons dans la lumière, buvant de la lumière, mangeant de la lumière, respirant de la lumière. Propageons la lumière partout où nous sommes, dans notre maison, à toute la famille. Propageons la lumière. Quand nous marchons, dégageons de la lumière afin que celui qui passe à côté de nous se sente bien. Quand nous allons visiter les amis, amenons la lumière avec nous. Rentrons chez eux avec la lumière pour que notre causerie soit bien et que quand nous allons sortir de leur maison et qu'ils soient dans une bonne ambiance. Dans les bureaux, propageons de la lumière avec les amis, avec les collègues.
Propageons la lumière dans le monde entier pour que tous les humains soient dans cette lumière de Dieu. La lumière pour que le royaume de Dieu s'installe le plus tôt possible sur la terre, vienne le plus tôt possible sur la terre et lâche dehors parmi les humains. La lumière, toujours la lumière. Prions. Merci Seigneur. Merci Yahvé de nous avoir gardé toute la nuit, tu nous as réveillés. Réveille aussi ceux qui dorment encore. Que nous puissions tous marcher en ton nom. Que nous puissions te louer, te glorifier, toi notre Dieu. Guéris tous les malades là où ils sont, Seigneur. Qui ne se sont pas bien réveillés. Impose-leur ta main, Seigneur, ta main puissante. Yahvé notre Dieu. Bénis-nous partout, bénis. Et les gnomes, les ondines, les sylphes, les salamandres, les pierres, les plantes, les animaux et les humains. Et tous ceux qui sont de l'autre côté, lumière à nous tous. Lumière, 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 Seigneur. Merci que cette journée soit lumière pour nous tous, Yahvé. Merci. Le chemin de Dieu est plein d'épreuves. Le chemin de Dieu est plein d'embûches. Le chemin de Dieu est plein d'épines. Mais quand Dieu donne, il donne pour toujours. Mais quand Dieu donne, il donne pour toujours. C'est à nous de tenir la lumière que Dieu nous a donnée. Tâchons de la préserver très précieusement. C'est à nous de tenir la lumière que Dieu nous a donnée. Tâchons de la conserver très précieusement. C'est à nous de tenir les grâces que Dieu nous a données. Tâchons de les conserver très précieusement. C'est à nous de tenir les grâces que Dieu nous a données. Tâchons de les conserver très précieusement. C'est à nous de tenir les grâces que Dieu nous a données. Tâchons de les préserver très précieusement. C'est à nous de tenir les grâces que Dieu nous a données. Tâchons de les conserver très précieusement. Et de bien tenir la nature que Dieu nous a donnée. Tâchons de la conserver très précieusement. Et de bien tenir la nature que Dieu nous a donnée. Tâchons de la conserver très précieusement. C'est à nous de tenir la lumière que Dieu nous a donnée. Tâchons de la conserver très précieusement. C'est à nous de tenir la grâce que Dieu nous a donnée. Tâchons de la conserver très précieusement. C'est à nous de tenir la nature que Dieu nous a donnée. Tâchons de la conserver très précieusement. C'est à nous de tenir la nature que Dieu nous a donnée. Tâchons de la conserver très précieusement. Merci, merci, merci. Bonne journée à nous tous. Que Dieu nous bénisse. À bientôt. Au revoir.